Donc c'est parti. Yo les gens, c'est Kim, une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc c'est parti pour du créatif. Yo les gens, c'est Kings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore sur du Fortnite. Yo les gens, c'est Kings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo pas gaming. Mais bon, cette vidéo n'est pas dédiée à l'histoire de Gumball. La vidéo va parler plus des références qu'il y a eu. Yo les gens, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bonne année! Bon, je sais, je m'y prends un peu tardivement quand même. Hein, parce que... Yo les gens, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'intro, on va parler d'un rappeur US, XXXTentacion. Ah là 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 là. Ça y est, j'ai enfin les 100 abonnés. Eh, en vrai de vrai, hein. C'est stylé ou pas? Yo les gens, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bonne année, ça y est, on est enfin en 2023. Hey, bonsoir. Il serait pas temps de refaire un thread? Donc, comme j'ai dit, le 25 juin 2009, c'est la mort de Michael Jackson. Stature Cortif est d'abord un personnage fictif de la série X-Files. Il apparaît dans le 8e épisode de la... Yo les gens, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin en 2024. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, et j'ai même pas sorti de vidéo depuis le mois de janvier. Je crois que j'ai perdu ma motivation. Je pourrais dire que j'ai perdu l'inspi, hein. Mais en vrai, je l'ai encore. J'ai même bossé sur quelques vidéos, mais je suis rapidement rattrapé par ce sentiment qui me dit que je fais ça pour rien. J'ai l'impression de tourner en rond maintenant sur YouTube. Depuis la vidéo sur Serbian Lady, qui est actuellement à 10K de vues, ça donne toujours envie d'avoir plein de vues sur chaque vidéo. Mais je suis souvent déçu. Je sais que YouTube c'est pas facile, que les vues et les abonnés ça vient pas comme ça. Mais j'ai l'impression de tout faire pour rien en fait. Je pense qu'il faut que j'évolue. Faut que je commence un nouveau chapitre de la chaîne. Je crois que c'est le temps de se renouveler. Sauf que ce temps j'arrive plus à le trouver. Surtout à cause des cours qui m'épuisent plus que je pensais. Genre en cours c'est long. Mais ensuite quand je rentre chez moi je dois encore bosser, réviser et rebosser. En fait, les seuls moments où j'ai le temps de pouvoir bosser sur YouTube, c'est les moments où j'ai plus de motivation et la flemme qui se rajoute. En fait, à chaque fois, c'est un cercle vicieux qui recommence. Et puis parfois, ça m'arrive que des fois, je me dis que j'ai qu'à juste partir. Non, mais genre vraiment partir. Pour découvrir de nouvelles choses. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour retrouver de la motivation et de trouver du nouveau? Surtout qu'il faut juste que je fasse ce que j'aime vraiment, comme par exemple l'horreur, que je fais déjà. Mais je pense que j'ai quelques années de retard sur ce genre de concept. Mais je pense continuer quand même. Mais j'ai tellement la flemme. En fait, je crois que mon pire ennemi, c'est la procrastination. J'ai mis un an à faire une vidéo qui fait même pas 7 minutes. En fait, faut un truc qui me plaît et qui plaît à tout le monde. Genre, je sais pas, comme la musique. J'aime tellement la musique, surtout la danse et tout ce qu'il y a derrière. Le fait de voir que ça rassemble tellement de personnes. Faut juste voir ça pendant un concert. Monter sur scène et faire son show. Je crois que c'est ce que je préfère. Et ça depuis tout petit. Où déjà j'étais à fond dedans. Voir un peu trop. Oh,
Après, j'ai qu'à faire comme 80% des youtubeurs de maintenant. Je vais me mettre au rap. Non, en vrai, je rigole. J'ai pas de texte. J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. C'était un rêve, car depuis tout petit, j'ai été bercé par ça, justement. Je voulais trop faire des vidéos comme Squeezie ou même des podcasts comme Cyprien. C'est à cette époque que j'aurais voulu commencer. Mais bon, comment dire? Bah, j'avais 4 ans, quoi. On m'a déjà dit que le style de mes vidéos, c'était le style d'avant. En gros, le style des années 2016, 2017, 2018. Mais j'ai envie d'évoluer. Et de voir dans ma vidéo le style de maintenant. Mais j'ai pas encore les moyens nécessaires pour faire des grosses vidéos. Il y aura toujours des vidéos comme je fais dans ma chambre à raconter des trucs, mais j'ai aussi envie d'aller encore plus loin. En fait, je pense qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre. En fait, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets. Chaque chose évolue. Et je vois pas pourquoi moi, je devrais pas évoluer. En fait, je dois juste avancer pour répondre à la question que je me suis toujours posée. Et après ? Et c'est la première mesure de ma vie d'après. Et ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas vivre blasé. À 50 piges passées, l'envie de claquer. Alors j'lâcherai mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté. Si l'envie de tout foutre en l'air, ce point divide rappelé. Si jamais la cabine explosera après, même chose une pluie d'acier. Je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vitre cassée. Si la mort frappe à ma porte, me dit t'es dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après. Dis-lui de jarter, dis-lui de venir baquer ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée.